Ce tournoi qui est animé par Toulon Saint-Cyr Handball, c'est super là, il y a beaucoup d'équipes. Oui, c'est un tournoi qui est organisé sur toute la journée, donc on a 24 équipes à raison de 7 ou 8 participants par équipe, donc ça nous fait à peu près 150 gamins sur les terrains. Quoi. On a 4 terrains et voilà, ça tourne toute la journée. Alors on voit que l'organisation est très très bien. Peut-être très, très très bien préparé. Oui. Hein, dans l'organisation, il y a des joueuses pro, il y a des joueuses du centre de formation, elles arbitrent. Donc en fait, oui, l'objectif c'était également que, voilà, que les joueuses pro rencontrent les jeunes des clubs des alentours. Donc joueuses pro et centre de formation, oui, sont impliquées sur le tournoi. Donc elles arbitrent, elles sont responsables de terrain et c'est elles qui animent toute la journée les matchs. Alors donc les clubs, d'après ce que j'ai vu, c'est surtout l'agglomération toulonnaise, oui, à part Val d'Argent, oui, qui est assez loin. Voilà. On a Val d'Argent, on a la Farlède, la Valette, Toulon même, Saint-Cyr, nos équipes sur Saint-Cyr et voilà. C'est bien, après la remise des récompenses, c'est vers quelle heure? Alors on va faire une petite pause là à midi, ouais, de midi et demi à 1h30. On va reprendre sur les finales, demi-finales. Vers 15h30, je pense qu'on fera les récompenses. C'est bien, oui. C'est bien, c'est une excellente propagande pour le handball, sûr, oui, en plus féminin, il y a des masculins, mais c'est oui, aussi... Oui. Alors, on va parler maintenant de l'équipe 2, parce oui, que ton équipe, bon, elle va jouer la finale samedi prochain. Oui. Alors, où en êtes-vous? Quel est l'état d'esprit? Alors, bon, ben là, ça fait quelques temps qu'on ne s'est pas vu parce que les filles sont parties en universitaire. Donc elles ont fini championne de France universitaire là, cette semaine. Et puis nous, on va reprendre dès la semaine prochaine, on a raison de 2 entraînements la semaine prochaine. Et on part vendredi à Paris, vendredi en fin d'après-midi. On va jouer samedi le match à 14h. Donc on va rencontrer la vice-championne ultramarine, actuellement qui se joue là. Ils ont un tournoi sur Paris pendant 3 ou 4 jours. Et voilà, sur ce match-là, bon, ça va déterminer qui sera champion de France national. D'accord, et ça se passe où? À Paris Coubertin. D'accord, voilà. Stade de Coubertin, le stade du PSG. Voilà, hein, très belle salle. Très bien. Alors écoute, on vous souhaite beaucoup de succès. Et oui, puis on tâchera d'être à l'arrivée, on fera un appel aux supporters de toute vous façon. Vous êtes obligés. Hein. Merci Karine et bonne journée. Arrivé à quelle heure? Alors on arrive à Toulon à entre 23h20 et 23h30, je ne sais plus exactement le Le jour. Le samedi. Merci, bonne journée. Merci. Alex, bonjour. Salut. Tu es en train d'animer le tournoi qui se déroule à Léo Lagrange, dont on a parlé avec Karine. Ça fait énormément d'années, quand je ne veux pas te présenter, que tu es la locale, voire la régionale du club. Ce que j'aimerais parler avec toi, c'est ton rôle de capitaine. Depuis quand tu es capitaine? Là, ça va faire... depuis qu'Adina est partie, donc ça va faire 2 ans, là. 2 ans. Alors, comment s'est passée ta désignation? T'as été élu par l'équipe ou t'es désigné? Non, c'est... quand Adina était capitaine, j'étais second, entre guillemets, capitaine. Donc après, ça s'est fait comme ça, au fur et à mesure. Enfin, vu qu'Adina était plus là, il n'y a pas eu de discussion et tout. C'est Thierry qui a décidé. Et voilà, c'était comme ça, c'est fait un peu naturellement. Alors maintenant, c'est-à-dire, au lieu d'être dans ta bulle de gardienne de but, tu as pris des responsabilités. Comment tu vas gérer la chose? Chaque capitaine réagit comme il veut. Moi, je trouve que le rôle de capitaine, c'est bien. C'est pas forcément un leader ou qui est toujours en train de donner des conseils ou qui est toujours. Moi, j'ai mon rôle de capitaine. C'est plus dans les voilà, dans les entretiens, les rendez-vous. Les entraînements, les trucs comme ça, les modifications, ou dire un peu à Thierry ce qui enfin voilà, les petits bobos, les petits trucs comme ça. Après, dans les vestiaires, Sophie, elle a beaucoup parlé pour motiver les troupes, et c'est un truc qu'elle fait beaucoup mieux que moi, parce que moi, je suis pas dans ce rôle-là. Donc voilà, on verra l'année prochaine, mais voilà, c'est un peu tout. Voilà. C'est une charge pour toi? Non, ça ne change rien du tout, en fait, moi, à part que j'ai passé un rôle de capitaine. Ouais. D'accord. Bon, il y a 2-3 jours, on a interviewé Jackie et on va revenir un petit peu sur cette saison qui est un peu mi-figue, mi-raisin, puisque vous avez réussi l'objectif minimal.
Après, les playoffs, bah, tu peux nous en parler. Bah, c'est sûr qu'on était déjà contente de faire les playoffs plutôt que les playdowns l'année dernière, parce que les playdowns c'est vraiment difficile, t'as quand même un peu peur de la descente et combat. Donc bon, on va dire que oui, les playoffs, on était très contente de les faire déjà, c'était l'objectif. Après, bon, bah, on aurait aimé aller plus loin, déjà faire une Coupe d'Europe l'année prochaine, c'était quand même. Ça nous tenait quand même à cœur. Après, bon, ça s'est pas fait, voilà, hein, maintenant on peut plus revenir en arrière. Donc, dans l'ensemble, voilà, on a fini sixième, voilà, une moyenne saison. Ce match aller-retour sur Mios, c'est une déception pour vous, pour l'équipe? C'est une petite déception, on va dire. La plus grosse déception, c'était le Havre. Hein. Mios, par rapport à la Coupe d'Europe, oui, c'est une déception. Mais après, je pense qu'il nous a vraiment mis un coup au moral, c'est ce match retour contre le Havre, là-bas. Donc, voilà. Alors, avec Jackie, vous alternez quoi. Une saison, il y en a une qui est blessée, l'autre saison, c'est quoi, les ligaments croisés, c'est une spécialité des gardiens. C'est déjà bien qu'on soit pour, on les ait pas fait en même temps, au moins. Vaut mieux alterner, non? Bah ouais, après, ça peut arriver à tout moment, à tout moment. Ouais. Là, il se trouve qu'en plus, c'est arrivé bêtement un petit peu, hein, donc ouais. Donc c'est sûr que c'est compliqué, surtout un gardien, c'est pas. Enfin voilà, tu rechanges pas de. Tu trouves pas un gardien comme ça. Facilement, donc oui, c'est un peu dur. Moi j'avoue quand même que la fin de saison sans Jackie, ça a été un petit peu compliqué. Après, il y a Léa qui est là. Moi, je trouve que c'est une très bonne gardienne. Je pense qu'elle a largement les capacités pour jouer en D1. Il faut qu'elle travaille encore un petit peu et tout, mais elle sait bien, ça lui fait une expérience. C'est quelqu'un de sympa qui veut travailler, qui travaille. Franchement, c'est super bien pour elle. Alors, on voit qu'elle a un potentiel, Léa, mais quand même, de vous, comme Jackie nous dit, ça fait 5 ans que vous êtes mariés, quoi. Ouais. Entre guillemets. Et il ne semble pas qu'il y ait une concurrence, au contraire, il y a une certaine complicité entre vous, non? Oui, je la vois pas du tout comme une concurrente, ça c'est clair. Après, on essaye au maximum de se partager le temps. C'est vrai que peut-être j'ai un peu plus de temps de jeu, mais franchement, Jackie, c'est quelqu'un qui a vraiment un super bon caractère. On échange beaucoup sur le fait que voilà, moi je sais que j'aime pas rester sur le terrain si je suis pas bonne. Donc ça me dérange pas du tout de laisser ma place. Ou au contraire, Jackie, c'est la même chose. Donc franchement, moi, la complicité entre elle et moi, franchement, c'est du coup ça les matchs ça passe plus facilement, on arrive à échanger. Franchement, c'est vraiment bien. Et ce coup dur, sans ce coup dur, ça aurait peut-être changé les choses au niveau des résultats finaux? Bon, peut-être, franchement, je sais pas, on peut pas refaire les matchs, hein, mais sur les résultats des matchs, je sais pas. Parce que les gardiennes, ça pèse beaucoup sur un match quand même. Oui, ça pèse. Et tenir 60 minutes, c'est difficile, ouais, même si Léa a pu jouer quelques minutes. Après, ça dépend des matchs, là, on peut pas les refaire, donc je sais pas si ça aurait changé quelque chose, forcément. Après, bien sûr que moi, c'était ça peut-être un peu plus dur quand même pour moi de savoir que quasiment tout le temps je suis dans les matchs 60 minutes. Bon, alors dernière question, on se prolonge un peu sur on se projette sur l'année prochaine. Ouais. Comment tu vois? Moi je trouve que au niveau du recrutement, on a fait un super bon recrutement. Après, bon, je suis un peu triste pour les filles qui partent, parce que moi, bon, il y en a qui. Voilà. On commençait à avoir quand même un bon groupe, de bonnes affinités et tout. Donc bon, on se réjouit jamais du départ des filles, mais c'était comme ça, c'est le sport. Et je pense qu'on a fait un très bon recrutement. Après, il n'y a pas que nous, hein. Il y a Nice, il y a toujours les Cinéminos, Fleury et compagnie. Tout. Le championnat, il est en train de vraiment s'endurcir. Donc, je ne me projette pas du tout pour l'année prochaine, on verra bien. Hein. Toutes les équipes ont recruté des bonnes joueuses. Sans oublier Nîmes, en oubliant en personne, hein, de toute façon, ouais, on est 10 équipes, après, voilà, hein, on verra bien, hein. On est capable de perdre contre les meilleurs et gagner. Et bien, c'est ce qu'on vous souhaite quand même de gagner contre les meilleurs, ouais, et de gagner aussi contre les plus faibles. Ouais, on va te souhaiter de bonnes vacances et puis bonne fin de tournoi, Alexandra. Merci. Cette fille, les gars.